Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Sur la carte, depuis le début nous avons effectué le niveau de la forêt du sud, du désert Gerudo ainsi que des eaux de Jabul. Une fois que tout ceci est fait, nous avons accès ici à cette quête, trouver le roi et Link. Il sera question dans cette vidéo d'accomplir tout ce qui se passera au château et à la fin nous affronterons un boss particulièrement puissant. Aussi je pense que ce guide vous sera très profitable. Je n'en dis pas plus, on commence tout de suite. Je me rends dès à présent ici, là où la quête nous demande d'aller. Si la vidéo vous plaît, je vous encourage à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. À présent, on va se rendre effectivement ici. Le point le plus proche que j'ai est là. On se retrouve à proximité des lieux. Voilà, je suis à proximité des lieux. On se rapproche. Et voilà, à présent, il y a pas mal d'ennemis à l'intérieur des remparts, donc on va utiliser nos échos, par exemple. Et on va aller au combat. On peut également utiliser nos pouvoirs. Et voilà. On peut rentrer dans l'une des maisons, notamment celle-ci. Voilà. Et cela nous indique qu'en soi, il faut passer par le puits. Et d'ailleurs, si vous vous rendez tout à fait à droite, voilà, vous avez cet élément-là. À présent, on peut emprunter le puits. Et ici, nous avons la faille. Nous allons donc passer par là. Ici donc, on peut avancer relativement vite. Là, on peut utiliser cet écho, voilà, par exemple. Alors, inutile de rentrer dans les maisons, il y a effectivement des ennemis, mais c'est tout ce qu'il y a dans chacune d'entre elles. Et là, attention alors. Effectivement, il y a lui. C'est volontaire. Parce qu'on veut se rendre en haut à droite. Donc là, on peut utiliser éventuellement ça, un vieux lit. Voilà. Et là, on peut utiliser un trampoline. Et on peut utiliser le méga blâme. Parce qu'il y a un coffre en haut. Alors c'est vrai, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Synchro de monstre. Ok, c'est pas très important. De toute façon, ce qu'on souhaite, c'est revenir en arrière. Voilà. Eux, c'est très dur de les éviter. On va être obligé, je pense, de... On active ici le point de téléportation, préparation au combat, voilà. C'est inévitable, tout complet. Examiner. Puis ici, bien entendu, le coffre qu'on ne peut absolument pas louper. On peut aller récupérer le rubis rouge éventuellement. Et voilà, nous voici en haut. On va pouvoir commencer le niveau. Nous voici rentrés dans l'enceinte du château. Première chose, on active ça.
Nous avons des jarres de part et d'autre. Donc deux jarres à droite et deux jarres à gauche. Si on affronte le Dark Knight niveau 2, voilà, on ramasse son écho, puis on avance. On déplace le trône pour libérer l'échelle ici. J'active le point de téléportation. Je fais pivoter cet élément. Et là, attention. Sachez que ça peut être un petit peu hasardeux. Des fois, vous allez vous faire repérer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et des fois, ça va plutôt très bien se passer. Sachez qu'il est possible de ne pas se faire repérer en étant généralement sur les hauteurs, vous allez voir. Pendant un moment, théoriquement, alors, normalement, on se fait jamais repérer. Mais bon, il suffit d'une fois, pas fait comme une autre. Voilà, vous voyez, en utilisant des lits. Attention à lui, celui qui est en haut, il est omniscient. Il peut vous détecter, vous ne saurez même pas pourquoi. Des fois, c'est juste invraisemblable. Faites attention également à celui-là. Là, j'essaie de libérer l'accès à l'échelle, en fait. Voilà. Pour avoir plus de chances de ne pas se faire repérer, on va faire ça. Alors, ouais, effectivement, il y a le plafond, c'est embêtant. On prend le risque. Là, attention. Même approche avec les lits. Heureusement que je suis en hauteur. Voilà. À cet endroit-là, pas le choix. Et voilà, on a traversé. Le pire est passé. On avance. Activation du point de téléportation. A priori, le cœur est toujours là à chaque fois que je passe. En vérité, c'est très facile. On fait ça, voilà. Voilà. Pareil là. Et voilà. Attention des chauves-souris. On peut déjà faire ça tout de suite sans attendre. Sans que qu'il arrive, généralement on se les prend. Et là volontairement on passe par là. Parce qu'ici se trouvent des coffres. On remonte pour aller chercher ce coffre. Et voilà, dans ce coffre, on obtient ceci. C'est toujours ça de prix. Et voilà. Si bon déjà on va se débarrasser des chauves-souris. Première chose à faire.
Une fois que c'est fait, on va utiliser les lumisoles. Ça, voilà. Et il y a un pouvoir. Quand vous appuyez sur Y, cela les fait apparaître. Restez appuyé sur Y et vous pourrez le faire apparaître beaucoup plus loin. Voilà, comme ceci. Ici, celui-là, on vise éventuellement, vous voyez. Voilà. Et s'il a du mal à l'allumer, on peut fixer l'élément, vous voyez, avec la gâchette de gauche. Là, on a fait apparaître. Voilà, comme ça. Puis, on le décale. Comme ceci. Et là, c'est bon, c'est ouvert. Cet élément devant, on peut le tuer très facilement. Avec un écho de base, celui-là. Et voilà. Et comme c'est un nouvel écho, on va pouvoir l'apprendre. Voilà. On peut utiliser le Dark Note niveau 2 pour le coup. On peut se rendre à droite. Ici, on peut utiliser l'écho que l'on vient de récupérer, qui est l'orbe du souffle, et la mettre au centre. Parce que cela nous donne l'accès à un coffre. Que l'on va ramasser tout de suite. Ici, on peut utiliser lui. Et voilà. Là, on active le point de téléportation. Voilà. Donc, la voie de droite, on la prendra qu'après. Parce qu'on va être coincé sinon. Donc, on va aller sur notre gauche. Là, des ennemis qui vont bien nous donner du fil à retordre. Voilà, on peut également utiliser, vu que c'est dans l'eau, le morquin, voilà, c'est ça. Bon, parfois, c'est un peu galère, comme on peut le voir. Là, on vérifie la carte et on voit qu'il y a deux coffres à aller chercher. On va donc les récupérer. Et dans l'eau, on a le meilleur écho qui soit, le morquin. Et voilà. Et là, il est très important d'aller chercher ce qu'il y a dans ces coffres-là. Les gens ramassent ce contenu-là. Alors, effectivement, celui-là n'est pas super utile, mais l'autre va l'être, vous allez voir. Celui qui est tout à fait en bas. On utilise voilà, ça. On recommence. Et là, on ramasse le contenu de ce coffre. Et voilà, quand même, 100 rubis, c'est toujours ça de prix, hein. Et là, on n'a plus qu'à remonter. Attention, ce passage, celui-ci peut aussi être un petit peu casse-bonbon à cause des gardes. Donc le tout, ça va être de ne pas se faire repérer. Voilà, le mieux c'est de faire le tour comme ça, voilà. Ici, on peut utiliser une table pour monter. Et là, on va aller jusqu'au bouton, vous allez voir comment, avec des lits. Et là, on active le bouton. Et ça, il faut le faire, c'est nécessaire. Parce que dans ce coffre-là se trouve une clé. Clé dont on a besoin en plus.
Voilà, je préférais patienter. Et voilà. À présent, je me rends à droite. Et donc ici, un ennemi. On peut utiliser lui ou lui, ça n'a pas trop d'importance. Fais gaffe parce que lui, il essaiera toujours... Le scorpion essaiera toujours de me piquer lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il cherche à nous tuer, donc peut-être même d'ailleurs utiliser ça s'il le faut. Voilà. Première chose, cet élément. On voit que c'est suspect quand même, hein. Ça ne fait aucun doute que ça peut être détruit. Et justement, on a ce qu'il faut. Le nitro-poisson. Voilà. Et là, ici, se trouve un coffre. Et c'est toujours ça de prix. Là, ici, vu qu'on n'a pas vraiment trop le choix, on descend. Et là, on ouvre. Arrivé là. Plusieurs possibilités. On peut par exemple faire ça et tirer. C'est un petit peu galère, mais moi je trouve que l'approche la plus simple, c'est finalement d'utiliser ça. Comme d'habitude, hein, c'est une chose qui est très forte. Rebelote. Voilà. Là, on va avoir besoin de lui. Parce qu'en bas, ça peut poser problème. Vous voyez, si je descends, on a une jarre ici. On peut éventuellement aller la casser. Pour rien, en fin de compte. Et là, après, on est un petit peu coincé. Mais rassurez-vous, il est toujours possible de monter. Avec lui, méga blâme. Et un trempeau. Voilà. Alors cet endroit est très intéressant. Parce que celui du milieu on l'a pas. Attention il fait mal. On n'a plus le voir. Et là on obtient un nouvel écho. Et cet écho-là, il va nous être très utile en plus, vous verrez. Là, on a deux possibilités. Mais évidemment qu'on va se rendre tout à fait en haut, hein. Ça c'est évident. Donc là, nous avons évidemment le boss. Nous avons celui-là, qui donne un œil d'or. Et là, accrochez-vous bien, parce que si je me rappelle bien, celui-là nous donne vraiment l'objet ultime. Voilà. L'anneau grenouille. Alors ça peut paraître un petit peu pourri comme ça au premier abord, mais croyez pas, ça ne l'est pas en fait. Hein. C'est même génial, en fait c'est vraiment un objet qui est terrible. C'est que moi, le nombre de fois où ça me gonfle de devoir faire des petits escaliers pour sauter, bah voilà que maintenant je peux faire des sauts qui sont plus importants. Donc je peux vous garantir que vous allez apprécier de pouvoir sauter directement sur des caisses ou sur des pierres comme ça. Vous voyez, par exemple là je m'amuse à poser une caisse. Voilà, je peux sauter directement dessus, c'est très pratique. Ça nous fait gagner pas mal de temps. À partir de là, les choses sont plus intéressantes. Ok, donc là il y a le boss. Je vous préviens, parce que peut-être vous allez être choqué. Je vous dis ça parce que les trois premiers boss qu'on a fait, on est d'accord, c'était vraiment très facile, il faut reconnaître. Mais là, on passe du coq à l'âne. On passe d'un limite d'un boss très facile à un boss véritablement très tanky, avec un pattern un petit peu moins facile. Donc si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, vous allez peut-être être découragé. Mais vous inquiétez pas, on va le faire pas à pas. Je vais vous montrer l'approche pour que ce soit le plus simple possible. Donc même si c'est long, dès lors que l'on comprend bien son pattern et qu'on fait attention, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Cela dit, allez-y, non, pas quand même les mains dans les poches. Donc là, je vais me soigner à balle. Je sais que c'est... Ne pas le consommer comme ça, mais tant pis.
Voilà, ayez également par exemple une fée sur vous. Donc là j'ai un smoothie cactus, c'est pas fou. Le mieux ce serait d'avoir une fée. Si, pardon, voilà, j'en ai une là, j'ai une fée. C'est bien d'en avoir une sur soi parce que si jamais vous mourrez, au moins ça vous ressuscite, c'est toujours ça de pris. Et concernant l'énergie, vous en aurez pas mal besoin. La première partie va être relativement simple, vous allez voir. On va directement prendre cet écho là pour l'avoir en sursoi. Il va nous foncer dessus. Le tout, c'est toujours de le coller au maximum de l'écho pour qu'il fasse le plus de dégâts possible. Voilà, comme ça. Et voilà. Et bien, on est passé très rapidement à la forme suivante. Celle-ci sera peut-être même encore plus facile, vous allez voir. Parce qu'on attrape son arme et on lui touche. Comme ça. Vous allez voir que c'est génial parce que, comme il est très calme, il va rendre très très cher. Et là, en plus, il nous donne de l'énergie. Il faut vraiment le détruire, quoi. Là on se transforme et là normalement c'est déjà fini. Voilà. Donc cette forme là c'est la pire, elle est un petit peu plus longue à faire je trouve. Heureusement il donne beaucoup d'énergie. Alors là oui vous pouvez lui renvoyer mais sachez que la difficulté sera intense. Parce qu'il va vous le renvoyer très très vite. Donc on va utiliser son arc tout simplement. Voilà comme ça. Vous ne le collez jamais. Parce que si vous faites ça, il va falloir vous balancer la boule en pleine face. Le mieux, voilà, c'est quand même assez loin que l'éviter. Voilà comme ça. C'est toujours pareil. On peut utiliser un autre écho pour le coup. On peut utiliser par exemple un écho qui. Genre lui, voilà. Et voilà, et là c'est la partie la plus dure parce qu'il est un petit peu. Il utilise un peu les techniques comme il l'entend, donc là c'est galère. Quand il fait ça, de toute façon c'est tout ce que l'on a vu, mais.
Et ça, c'est le plus intéressant. Et voilà. Et du coup, vous avez vu, on l'a fait en eau damage. Et à partir de maintenant, le jeu va subir une vraie évolution. Déjà, vous allez changer de skin. Et vous allez également pouvoir avoir des échos encore plus forts. Voilà, alors quand je vous disais que vous allez pouvoir utiliser des échos plus forts, oui et non, c'est-à-dire que à l'extérieur, il y a donc des failles où en effectuant ces failles, vous allez donc pouvoir atteindre le niveau au-dessus, donc et cela vous permettra d'utiliser des échos plus forts. Voilà, donc ça c'est pas mal en vrai, mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Et on obtient également 5 pierres étranges, c'est pas rien. On peut récupérer, voilà, le cœur. Et là, on s'en va. Ok, donc maintenant on est libre de nos mouvements. Alors quand je vous ai dit qu'on va pouvoir utiliser des échos plus puissants, comme par exemple celui-là, le Dark Knight niveau 3, ou encore le Moblin épée niveau 3, que j'ai déjà présenté, eh bien, pourquoi je vous ai dit que c'est en partie vrai? C'est parce que si sur la carte vous avez fait les différentes failles, alors il y en avait quelques-unes, il y en avait donc une là, il y en avait une, si je ne m'abuse, par là. Là, si je crois, je me semble bien. Ben en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez avancer encore un tout petit peu. Et il y aura une faille là. On va la voir dans très peu de temps. Donc, je continue, on va la remarquer. Comme vous pouvez remarquer, on a changé de skin. Et voilà, la quête est accomplie. Quête principale terminée. On peut éventuellement prendre sa quête. Et là, si on regarde sur la carte, à présent, voilà, les failles apparaissent. Lorsque vous aurez fait celle-ci plus toutes les autres, comme on a déjà pu faire avant, eh bien en soi, cela permet de monter encore d'un niveau. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser donc ces échos qui sont un petit peu plus costauds. Donc à ce moment-là, on aura donc un skin, on pourra sauter plus haut partout sur la carte. Et aussi, on aura de meilleurs échos, ce qui est très intéressant. Et ce n'est pas tout, parce qu'on voit qu'en plus, avec Impa, on va pouvoir récupérer une jument. Alors c'est peut-être Epona, qui sait. Peut-être un cheval que l'on pourra utiliser en permanence. Donc ça, ça pourrait être formidable. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.